Yo les potes, c'est GGaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi les gars, ça va nickel. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que du coup on a eu la match 17.21 qui a paru ce matin. Je vais vous présenter toutes les nouveautés qui sont apparues dans cette mise à jour. On a pas mal de nouveautés, on a quelques nouveautés. C'était une petite mise à jour, mais on a eu quelques nouveautés qui sont apparues. N'hésitez pas avant que la vidéo commence, déjà à partager et à liker cette vidéo pour du coup montrer à tous vos potes. Likez bien sûr pour le référencement, ça fait ultra plaisir. Merci à toutes les personnes qui le feront. N'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification, les gars. On est bientôt aux 8000 abonnés. Si on pouvait le faire avant la fin du mois, ça serait cool. N'oubliez pas aussi le petit code créateur GGaming dans la boutique, ça ferait ultra plaisir. Merci à toutes les personnes qui le mettront. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez mis. Et du coup, on va commencer par la première nouveauté. On a du coup un compteur qui est apparu dans le nouveau lobby. On a un nouveau lobby qui est apparu. On a un grand vaisseau qui est apparu. Et on a un compteur. Le compteur, du coup, au moment où je fais cette vidéo, nous annonce 10 jours, 12 heures, 40 minutes et 40 secondes. Du coup, ce qui nous fait que l'événement. Le premier événement Fortnite, pas l'événement final, mais un petit événement qui va arriver sur Fortnite, se fera du coup le 6 août à minuit. Du coup, ça sera sûrement le 6 août, le 7 août du coup à minuit, parce que du coup ce sera pas exactement le 6 août, mais se passera du coup dans la nuit du 6 au 7 août, du coup l'événement. Du coup, ça sera normalement, si vous calculez bien, du coup le 7 à minuit 5. Mais vraiment le 7-7, le début du 7, quoi, à minuit 5. Du coup, ça sera l'heure quand on va commencer l'événement. Donc vous inquiétez pas pour ceux du coup qui vont dormir, qui vont faire autre chose, etc. etc. On sera en live. Si vous voulez regarder le live, vous pourrez. Du coup, pour l'événement. Mais pour tous ceux qui pourront pas regarder le live parce qu'ils vont aller dormir, etc., je ferai une vidéo pour l'événement. Donc activez bien la cloche de notification. Je vous ferai une vidéo pour l'événement, pour tous ceux qui l'ont raté. Comme ça, vous pourrez le regarder sur ma chaîne. Du coup, en mode, en genre rediff, si vous avez raté l'événement, je vous le mettrai sur la chaîne. On réécrira tout ça et je vous le mettrai. Comme ça, tous ceux qui pourront pas regarder l'événement, regarder de live, etc., je vous le montrerai. Après, du coup, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, je vous ai passé un petit trailer du coup pour une nouvelle arme. Du coup, cette arme du coup ça s'appelle le canon plasma. Du coup, ça s'appelle. Du coup, je vais vous montrer où on peut les trouver. Alors, j'ai testé, on peut les trouver du coup dans les coffres spéciales à bot. Vous savez, les gros coffres de bot du coup au niveau. Des radars, etc. Ici, etc. Vous pouvez trouver le coffre. Vous pouvez trouver l'arme. Donc, on va essayer. Du coup, on va atterrir là où j'ai mis mon point. Et on va essayer, du coup, d'aller chercher cette arme pour vous montrer à peu près qu'est-ce qu'elle fait, les dégâts qu'elle peut faire, etc. Donc, comme vous avez pu voir au début, c'est plus. Moi, j'ai testé. Pour moi, c'est plus une arme qui peut détruire des construits qui va faire des dégâts à l'ennemi. Parce qu'elle fait que du 33 de dégâts. Mais après, la boule, elle disparaît et elle s'en va. Donc c'est comme si vous émettez une balle d'air à un ennemi ou un truc comme ça. Donc pour moi c'est plus une arme pour détruire des construits. Du coup vous avez le vaisseau, un autre vaisseau, celui-là qui vous aspire pas, mais un nouveau vaisseau qui est apparu au plein middle de la map. Donc vraiment plein 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 middle. Vous avez à côté du coup le compteur du coup là qui affiche 10 jours, 12 heures et 38 minutes du coup. Donc voilà, donc vous avez le compteur sur la map, vous avez le grand vaisseau qui est en plein milieu de la map. Et du coup on va avoir on a quelques infos. On aurait peut-être Slurpissant en miettes, Coral Castle et Corny Complex en miettes du coup les gars. Du coup on va essayer de trouver cette nouvelle arme avec vous. Donc c'est souvent je pense dans les armes comme ça, parce que du coup c'est une arme spéciale bot. Ok, donc là on l'a pas. Vous allez voir, avec la chance que j'ai, on va pas la trouver. Parce que vous savez que j'ai une chance énorme sur ce jeu. Hein. Tout le monde le sait que j'ai une méga chance sur ce jeu pour ne pas trouver les nouvelles armes. Alors hors live je les trouve. Hein. Hors live, hors vidéo je les trouve. Mais pendant les vidéos je les trouve pas. Ok. On a réussi à la trouver. Donc du coup ça s'appelle le canon à plasma légendaire. Du coup, vous avez 5 tirs dedans. Du coup, on va faire inspecter. Donc, cadence 1, chargeur 1. Vous avez qu'un chargeur.
Rechargement, bon, il n'y a pas besoin de rechargement, mais dégâts, ça met 0. En fait, vous avez, quand vous trouvez l'arme, vous avez 5 munitions et c'est tout. Du coup, je vais vous montrer, on va tirer du coup à partir d'ici et vous allez voir les dégâts que ça va faire au construit. Voilà, vous voyez les dégâts que ça fait au construit, les gars? En deux coups, presque, vous détruisez presque tout le bâtiment en deux coups, presque. Vous voyez tous les dégâts que ça fait quand même au construit? Et après, au bout d'un moment, du coup, elle disparaît. Bon, on refait un test. Voilà, elle détruit tout sur son passage. Du coup, je vais vous montrer le compteur, le nouveau vaisseau. On a deux pads, du coup, un pad là qui s'est rajouté et du coup le pad qui était là avant. Et je vais vous montrer sur les bots, du coup, comment fait le pistolet, comment réagit le pistolet sur du coup les bots POI là. Donc regardez sur le bot ce que ça va faire. Voilà, 33 de dégâts, 33, 30, voilà, ça le pousse juste, mais ça fait juste 33 de dégâts. Donc ce qui est pas ouf en vrai, quand vous avez un ennemi. Et je viens d'en retrouver un. Oui. C'est pas trop cheat en fait. C'est plus pour détruire des construits, etc. en fait. Ça va plus servir à ça en fait. Oui, ça fait pas énormément de dégâts en vrai. Du coup voilà, vous les trouvez H24 dans les coffres comme ça, les coffres à bottes. Vous les trouvez dedans. La distance, regardez, ça va pas loin hein. Ça va un peu loin, mais ça va pas loin quand même. Voilà, voilà, on va dire les nouveautés qu'on a eues. On a eu du coup cette nouvelle arme qui est apparue sur le jeu. On a eu le compteur qui est apparu sur la map du coup. Voilà, on a le grand vaisseau et le compteur qui est juste devant nous. Voilà. Du coup, voilà, les gars, toutes les nouveautés qu'on a eues sur cette mise à jour 17.21. Moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Demain, défi légendaire. N'oubliez donc, voilà, si vous voulez des lettres pour les défis, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour rater aucune des vidéos. Et moi, du coup, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JGaming. Bye bye.